sucré. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule lors de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. C'est une émission aujourd'hui nous avons créé de quand même on fait parler certaines femmes parce qu'il y a des gens qui disent que non, moi j'ai honte, je n'ai pas à parler de ma vie. Il faut parler de ta vie pour savoir ce qui est dans ton cœur. Mais si tu n'en parles pas, un matin tu vas partir avec ça. Dégage ça ici en même temps. L'émission Gourmet Sucré aujourd'hui, je suis très contente. Parce que l'émission fait qu'il y a certaines personnes que je croise facilement. Surtout aujourd'hui, je suis avec une belle fille, une belle créature. Il y a les tournants aussi, il y a des jeunes filles là-bas. Moi, mais quand j'ai vu ma fille là-même, j'ai pensé que c'était une métisse libanaise qui était arrivée. Quand elle m'a dit, maman, je suis Toura, j'ai dit, wow, les Toura, des Bokaï. Merci là-bas, les Toura, les Bonnets, les Guyanais. Kabissiaï, Ao. Loin, Kabissiaï, Ao. Donc, je suis avec ma fille Papillon. Papillon, déjà, c'est l'amour. Parce que papillon, là, c'est l'amour. Quand on t'appelle papillon, ça veut dire que tu as l'amour en toi. Parce que l'amour, c'est de l'art. Donc, bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Vraiment, je suis fière. Parce qu'il y a longtemps, hein, parce que madame me disait qu'elle va venir, elle va venir. Bon, le temps, c'est Dieu seul qui a son dernier mot. Dieu a décidé qu'aujourd'hui, qu'on soit en face. Donc, bienvenue à l'émission. Merci. Donc, je vous passe le micro. Vous allez nous annoncer un peu. Alors, en ce moment, franchement, c'est la décadence dans la famille. Et voilà, du côté de mon frère aîné et de mon côté aussi. Mais je vais commencer par mon frère, par l'histoire de mon frère. Mais ton frère même, il est où? Puis c'est toi qui viens parler de lui. Il est où? Mon frère, en ce moment, ça ne va pas. Son gourmet est franchement lourd. Ça ne va pas? Sa femme l'a trompé. Elle a trompé. C'est lui-même qui t'a dit ça, hein? Oui. Que sa femme l'a trompé. Parce que tu viens, tu vis avec eux. Nous, on connaît l'histoire dans la famille. C'est lui-même qui nous a raconté l'histoire. Ah, mais oui, c'est ça. C'est voilà. Et donc, sa femme l'a trompé. Il a attrapé sa femme en flagrant délit d'adultère. Oui. Et sa femme, franchement, elle lui a demandé 1000 pardons. Elle lui a demandé pardon. Et mon frère, il n'a rien voulu entendre. Il a chassé de la maison. Ils ont 2 enfants. Il a chassé la dame de la maison. Et j'avoue que, voilà, la femme, elle travaille, elle a son boulot. Et mon frère aussi, il a un très, très bon poste ici. Voilà. Lorsqu'il a chassé la femme, voilà, elle est partie avec son, voilà, celui avec qui elle a coquifié mon frère. Mais c'est encore mieux. C'est-à-dire, celui-là laisse, l'autre laisse et l'autre il plaint. Ah, voilà. Et le monsieur en question, il s'avère que le monsieur est plus d'argent que mon frère. Et en ce moment, il met l'épouse de mon frère à l'aise, mais d'une manière pas possible, quoi. Si toi-même tu reconnais, c'est bien. Oui, je reconnais. C'est ta belle-sœur, si tu reconnais, c'est bon. Il lui a acheté un duplex. Ah, tu as vu ça? Ça, c'est un bon couillomataire. Voilà. Félicitations à vous. Et voilà, la dame, elle a récupéré ses 2 enfants et elle vit franchement à l'aise que plus que lorsqu'elle était avec mon frère. Et en ce moment, mon frère, ça ne va pas dans son cœur. Il allait demander pardon à sa femme pour qu'elle revienne à la maison. Ah, attends, hein, s'il te plaît. Mais, mon frère, mon fils, toi, tu es mon fils. À ton tour, c'est comme un homme qui a 2 femmes, 3 femmes. On fait va et vient. Monsieur peut faire 2 jours d'amour là-bas. Et si c'est tout de l'autre, mais est-ce que les gens se sont suicidés? Tu as attrapé ta femme. Tu avais toutes tes raisons. Dieu même a dit, c'est pas normal. Une femme vit avec son mari puis le tromper. Mais quand elle a fait ça, elle s'est mise en genoux. Tu as demandé tout le pardon. Tu as dit non. Lui qui a sali ta femme, il t'a prouvé que c'est un acte qu'il a posé parce qu'il est diable. Aujourd'hui, à cause de lui, tu as abandonné ta femme à cause parce que tu l'as supplié, tu ne pouvais pas supporter. Pour ne pas la honnir. Il faudrait te montrer que quand lui couille là, il fait de bonnes choses avec ça. Il a payé 10 places. Il a payé des grosses voitures données. Toi, tu vas où? Tu t'en allais demander pardon. Tu dis, on dit, tu vas devenir fou. Tu connais la Benjéville, là, en passant par Faya, là, grand coin, là. Il y a des chambres de passage là-bas. À ton tour, là, tu as refusé. Tu dis, tu ne veux pas. Elle a fait tout, tu dis, tu ne veux pas. Son gars, je ne l'ai pas encouragé parce que moi, je suis l'avocat des hommes, mais je n'ai pas encouragé. Pourquoi elle t'a trompé? Elle a mal fait, ma fille. Quel que soit, même si ton mari n'est rien, qu'il est quoi, tu ne dois même pas le tromper dans la maison. Il y a les hôtels, vous pouvez voyager, aller faire ça. Mais comme le monsieur, il sait qu'il a posé un acte qui n'est pas bien, il est obligé de te soulever. Mais pour cela aussi, même si on te paye l'avion, on te paye le bateau, le père de tes enfants, c'est important. Lui, il a compris, il est venu vers toi te demander pardon. Tu devais penser au moins à tes enfants. Et même quand on te donne, depuis quand dans ses cours, même
matelas peut rentrer dedans. Tout ça, ça reste ici. Les gens disent, j'ai tout. Tu as tout là, le jus de ta mort. Moi, j'ai eu un cadavre à Yopougon ici. Quand ils l'ont jeté à terre, on dit, caillou. J'ai dit, mais qui ça? Ça, c'est l'homme, ça. On dit, c'est l'homme. Il a quatre immeubles. Il n'a même pas mis fenêtre, même dans ses coins. Il est parti à être deux poussées. Toutes ces affaires sont restées là. Ça, c'est des trucs qu'on doit laisser sur la terre. Dieu a mis le pardon. Il faut être sensible. Si toi, elle t'a demandé pardon, que tu as refusé, à son tour, ma fille, je sais qu'aujourd'hui, on t'a rendu heureux. C'est-à-dire que toi, ton couillement, quand tu fais avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui est encore mieux que ton mari. Ça, c'est les bons couillements. On les appelle les couillements en complicité. Ça, c'est un couillement complicitaire. Parce que les couillements, ce n'est pas n'importe quel couillement on prend comme ça. Ça veut dire que tu es marié, mais si tu es couillé, si tu peux m'arranger, c'est l'autorité permise. Tu as 1100 francs, tu gagnes 5000. Ça, c'est le couillement engagementaire. Félicitations pour ton couillement, mais pense pour ne pas qu'il va se suicider à cause de toi. Parce que là, maintenant, tu as un couillé balayeur. Ça pompe ici, ça doit pomper là. Et ça, ce n'est pas normal. C'est un couillé balayeur qui n'est pas normal. À son tour, il pouvait même te tuer, tuer le monsieur. Parce que là, c'était un flagrant. Quand on attrape le volet, il n'a pas de force. Et dans ça, le monsieur, pour effacer sa honte, les immeubles que tu payes là, c'était ton cuir. Tu payes tout aujourd'hui pour lui donner. Tu as fait que la honte, même c'est la honte qui fatigue le monsieur. Parce que lui pensait qu'en faisant, il jouait un peu le dur pour voir si sa femme, elle peut toujours continuer. On peut demander pardon jusqu'à 10 ans à un homme quand tu veux. Tu peux faire jusqu'à 10 ans. Mais petit pardon, tu as essayé, le monsieur peut te dire, il faut demander pardon, fais semblant, il faut demander pardon. S'il ne veut pas, moi je vais m'engager. Tu poses un acte qui n'est pas bon, et puis c'est toi qui as gros cœur. Tu t'entends, tu as le monsieur, que le Seigneur vous garde. Mon petit, je t'invite à mon émission. Il faut venir avec les conseils, les gourmets vont diminuer. Parce que pas pour une femme, tu vas mourir là. C'est 500 milliards de femmes qui vont t'accompagner. Il y a un homme qui vont faire chaud dans les verres, mais tu seras étonné. Remarquez, il y a des veilles souvent à Abidjan ici. Hein? Quand vous remarquez à Abidjan ici souvent, il y a des veilles là. Tu vois les femmes là, hey, le monsieur était trop gentil, lui là. Oh non, il a un grand cœur. C'est le couillementaire. Plein de filles comme ça, grand cœur. Depuis la grand cœur, ça finit pas. C'est le couillementaire. Elles sont là même. La femme même, hey, la veille de mon mari avait du monde. Les femmes étaient trop. Tout ça, ton mari a couillé les. C'est ça, on les appelle complexité des couillementaires. Donc, le monde aujourd'hui. Viens, mon fils, tu es Yakuba, je suis ouais, c'est dans et ouais, tu es mon enfant. Viens à mon émission, je t'invite à mon émission. J'espère qu'elle a le conseil. Si tu ne peux pas venir te présenter, parce que déjà tu es un rival, hein, tu peux m'appeler, maman Laure. Tu peux me déplacer, aller te voir. Parce que pour une femme, tu ne veux pas abandonner tes enfants, demain tu vas tomber mon fils. Et nous les parents, on va perdre. C'est pour ça souvent quand vous êtes dans la famille avec vos femmes, vous êtes dans vos foyers. C'est vous qui racontez tout à la famille. Sinon, ils ne sont pas au courant que tu as surpris ta femme. Hein. C'est toi-même ton papa Toya là. Tu allais dire à la famille que ma femme, il a attrapé hier à un garçon. Sinon, si tu allais garder ça doucement, et puis ton gourmet, en manger un peu de salade chaque soir avec au rognon, ça passait un peu. Mais tu allais verser. Aujourd'hui là, vous te laissez la honte. Parce qu'elle sait que tu l'as surpris à un garçon. Son visage, elle ne peut pas rentrer chez ses beaux-parents. Toi-même, tu sais aussi que ta femme, elle a eu un gars. Tout ça, c'est la honte. Puis c'est le diable qui vous fatigue, c'est le diable qui est au milieu de tout ça. Mais ce diable-là, il est vaincu. Le diable qui est rentré dans ce foyer, puis balancé comme ça, toi aussi tu es là, tu payes les villas. Il faut payer maison pour ta maman. Tu entends payer les duplex pour donner aux gens. Tu as fouillé là, sa maman, elle est dans un coin où les tôles ne sont pas complétées même. C'est eux qui ont fait la belle vie au dehors. À cause de cuir, seulement cuir de quelqu'un, tu as couillé là. Tu payes tout. Hein? Au lieu de payer tout comme ça, il faut t'occuper au moins de ta pauvre mère qui t'a fait sortir entre la mort et la vie là. On en est pour rien. Tu as payé les grosses voitures, donnez-la. Mon fils, il faut venir. Croise-moi, je vais te donner mon numéro. Je suis au 01 52 48 66 79. C'est la seule heure de tout le plus. Tu m'appelles, je peux m'asseoir avec toi, te parler. La parole d'une mère, ça dégage. Sinon là, aujourd'hui, là, si ta petite soeur a eu le courage. Parce que tout le monde a peur. Pour ne pas que demain, tu vas tomber comme ça. Parce que le cœur, tu seras toi qui t'es sur le bout. C'est fini. Tes pauvres enfants qui n'ont rien fait dedans, là, ils vont souffrir. La femme, le monsieur peut aimer ta femme, mais il ne pourra pas les aimer comme tes enfants. Alors que toi-même, aussi, tu travailles. Elle t'a vu, c'est toi qui l'as fabriqué.
C'est toi qui l'as fabriqué. Si aujourd'hui elle allait ailleurs, c'est le temps de Dieu, on ne peut pas forcer. Mais ne garde pas ça trop dans ta tête. Donne pas la force à ton ennemi pour te gagner. Donne pas la force, mon fils. Il faut te calmer, c'est la seule loi qui te parle. Mon livre, il faut enregistrer. Quand tu vas m'inviter, là, moi je me déplace. Il y a des grandes dames de ce pays qui m'appellent. Je l'ai pas, il y en a qui disent, ah, grâce à toi, moi, ça a changé un peu la seule loi. Grâce à toi, moi, je suis devenue comme ça. Donc, Papillon Lo, merci beaucoup. Ça, c'était pour ton frère. Maintenant, pour toi-même, là. Parce qu'on ne peut pas voir une lumière comme ça, un diamant comme ça, et puis on va dire qu'elle a voulu. Donc, voilà une papillon que je reçois chez moi. Et puis, quand je t'ai regardé, tu ressembles tellement à ma deuxième fille qui est à Londres. Quand je t'ai vu, je pensais que c'était Diane. Même chose, elle vit à Londres. Donc, une mère est le dieu de la terre. Parce que, pas forcément celle qui t'a mis sur la terre. Toutes les mères, c'est unie. C'est dans le même corps qu'on est quitté. Il n'y a pas de maman blanche, chinoise, américaine, quoi. Maman, c'est maman. Ouais. Que tu sois chinois ou indien, ou... maman, c'est maman. Il n'y a pas deux accouchements. Il n'y a pas une femme qui a accouché par la bouche. Tout soit à la même place. Il n'y a pas une qui a dit, waouh, pour moi, ça a tombé. Tu... Non, non, non. C'est même si tu es blanc, teint clair. C'est même phase-là. Il n'y a pas d'autre phase. Donc, si tu es venu là, c'est Dieu qui t'a dit, il faut venir croiser ta maman pour qu'on puisse en parler. Ouais. Donc, vas-y. Alors. S'agissant de moi, j'ai été fiancée dernièrement. Dernièrement, c'est peu dire, mais il y a de cela un moment que je suis fiancée à un homme qui vit en Amérique. Voilà, donc je suis dans une relation à distance. Et avant qu'il ne vienne me fiancer, on s'est entendu, je lui ai dit que je pouvais supporter 3 mois. Donc, pour lui, il s'agissait de, voilà, de venir après chaque mois, chaque 3 mois. Mais voilà, quand il est parti, la première fois, il a fait 6 mois avant de venir. Je suis restée fidèle, voilà, parce que je l'aime, ou alors je l'aimais, je ne sais que dire. Et quand il est venu, il est reparti depuis le 16 février 2023, il est parti en Amérique. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Et quand je me plains, il me dit non, il y a beaucoup de problèmes, le business, c'est ceci, c'est cela, tout et tout. Et moi, en fait, je suis là, je ne parle pas, je l'attends. Dernièrement. On ne te drague pas aussi? Mais bien sûr qu'on me drague. Je suis non. Bon, écoutez, quand il allait en Amérique, il n'est pas allé à la clé de ton cuir. Est-ce que le cuir, moi aussi, ça ne passait pas ici un peu? Non, je ne faisais rien parce que je, voilà, je suis une femme bien. Oui, je l'aime beaucoup. Ça, d'accord. Moi, voilà. Au détente, il faut taquiner. Ben voilà. Donc, comme je prends les réseaux sociaux en fait pour m'amuser, je suis artiste chanteuse, comédienne. Et je Vous chantez quoi? Mon premier titre, c'est Toseta, qui est disponible sur ma chaîne YouTube NG Papillon. Et voilà. C'est lui-même qui m'a encouragée à être artiste parce que il m'a une fois entendu, enfin plusieurs fois entendu chanter. Il a vu que j'avais quelque chose. Donc, il m'a encouragée à chanter. Et quand il est rentré dans ma vie, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Il ne m'a pas dit de sortir des réseaux sociaux. Lui-même, il a accepté que je sois sur les réseaux sociaux. Donc, souvent, je m'approprie des histoires et que je raconte pour attirer bon nombre de personnes. Voilà qu'il y a une semaine, je me suis approprié l'histoire d'une dame que j'ai racontée sur les réseaux sociaux. Et il ne sait pas qui lui a envoyé cette vidéo parce qu'il ne voit pas mes vidéos sur les réseaux sociaux. La personne lui a envoyé la vidéo et il me ramène la vidéo. Je l'appelle tout de suite pour lui dire que, écoute, non, c'est pas mon histoire. Je me suis juste approprié l'histoire de quelqu'un. Et là, il s'énerve, il se fâche, il me dit non. Lui, il est venu demander ma main. Et puis moi, en fait, je raconte ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, tout et tout. Et donc, il était énervé. Je me suis dit, ben écoute, attendons 2 jours pour qu'il se calme. Après 2 jours, je l'appelle. Il est sur sa position. Il me dit, non, cet homme-là, il te manque. Donc, reste avec lui, tout et tout. Voilà. Et quand il m'a dit de rester avec lui, ben moi, je suis restée dans mon coin. Restée avec qui? Parce que dans l'histoire que j'ai racontée, j'ai dit que, vous voyez les hommes mariés là, non? Les hommes mariés, ils ne sont pas bien. Je suis avec un homme marié qui m'a dit qu'il était en instance de divorce. Maintenant, sa femme vit en France. Avec lui? Non, lui, il vit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et sa femme vit en France. Ouais. Donc, il m'a dit qu'il était en instance de divorce, mais il a eu un visa, le premier visa qu'il a eu. Et en ce moment, il est en France et il ne m'appelle plus. Et j'ai dit comme ça aux jeunes femmes là, ne couchez pas avec les maris des gens parce que les hommes mariés, ce sont des menteurs. Vous voyez ce qu'il m'a fait?
Mon message, c'était d'envoyer les jeunes femmes à ne pas sortir avec les hommes mariés. Ouais. Et lui, il me dit que c'est mon histoire. C'est mon histoire que j'ai racontée sur les réseaux sociaux, que moi, je suis avec l'homme marié, que l'histoire que j'ai racontée, en fait, c'est mon histoire. Donc, je lui ai dit que non, ce n'est pas mon histoire, il ne s'agit pas de moi, tout et tout. Donc, il est fâché, il est jaloux. Quand il m'a dit que c'était terminé, qu'il ne voulait pas que je devais rester avec l'homme qui est allé en France, là, ben, j'ai trouvé ça tellement bas, petit rikiki, c'est-à-dire que c'est de la bassesse. Ouais. J'ai vu, on ne peut pas laisser une femme sur ce genre d'histoire-là. Donc, moi, je suis restée réticente, je suis restée dans mon coin, je ne l'ai plus appelée. C'est lui, maintenant, qui continue de m'appeler. À chaque fois, il m'appelle. Mais moi, en ce moment, je me dis, ben, écoute, le mariage, ce n'est pas une petite histoire. Pour une... Ni, ce n'est pas un règlement de compte. Hein? Le mariage, c'est de l'amour, c'est de l'art. Voilà. Pour une petite histoire comme ça, si tu arrives à me dire non, c'est fini entre nous, oui. Et demain, si je fais plus grave que ça, tu vas me laisser en cours de chemin. Donc, oui. En ce moment, la seule lors de tout le pleu, franchement, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas si je dois accepter parce qu'en ce moment, c'est lui en ce moment, maintenant, qui est en train de me demander pardon. D'accord. Et moi, je suis dans mon coin et je ne sais pas si je dois continuer avec lui. Mais pour te dire la vérité, je suis fatiguée de la relation à distance. J'ai besoin d'un homme qui va me Benzema. Je suis jeune, je suis fraîche. J'ai que 32 ans. Non, tu es bébé encore même. On doit me Benzema chaque 4 heures du matin. Donc moi, j'ai couillé tous les 4 heures. Mais 4 heures, j'ai besoin d'un homme pour me faire vibrer. J'ai besoin d'un homme. Ah un bon. Homme qui est parti depuis le 16 février. Attends, moi j'aime ces morceaux-là. On te vibre, ton fils est machine. Moi, si il y a des branchements, il n'y a pas de problème. Ils vont te vibrer bien. Il y a des gens. Ça, là, seulement, ce soir, mais ils vont te annoncer ça. C'est des vibrations. Je suis d'accord avec ma fille Papillon pour vous dire que, elle vient de le dire tout à l'heure en bon français, hein, pour dire qu'elle est fatiguée en amour distance. Moi, je prends exemple sur le mari de Touré. C'est un jeune cadre, sa femme est lieutenant ici. Lui, il est en France. Il dit, mais au lieu que ma femme soit ici, que moi je sois là-bas, il a dit à Touré, il faut rentrer. Elle leur a dit, bon, reviens pour qu'on se marie. Le 14, ils ont fait le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. En France, il y a plein de femmes. Toi, tu es béninois. Ma fille, elle est Toura. C'est la même personne, il n'y a pas d'ethnie dans l'amour. Mais il n'y a rien de tel quand tu dis la vérité à ton prochain. Il ne faut pas attendre, tu sais que tu vis avec une artiste. Ce qu'elle a fait, parce qu'une artiste, il faut dire des trucs, c'est des conseils aussi, elle donne sur le... Ça ne veut pas dire qu'elle parle d'elle, mais ici, elle avait fait, là, elle n'avait pas parlé de ça. Elle s'est venue de parler, un jour, forcément, tu vas l'attraper. Mais si elle a fait ça, c'est pour parler, pour dire aux femmes, les hommes mariés, là, ils vont te perdre le temps. Il ne va jamais te garder. Et quand il va voir que tu es fané ici, demain il va te dire, ah, excuse-moi, mais vraiment, je ne peux pas aussi laisser ma femme. Alors, tout ce temps que tu as perdu à lui, là, c'est zéro. Donc, c'est mieux. Toi, tu es loué là-bas. Si tu es vraiment décidé, mariez-vous légalement. Tu es en Amérique, non? Si tu es marié légalement pour rentrer là, c'est facile. Mais vous êtes à vous jouer les jeux parce que Yikouya, ça n'existe pas. Vous Yikouya, il y a des Béninois là. C'est petit à faire. C'est Dieu seul. Et quand tu partais vers là, tu as touché à quel bouton? Tu allais arroser quelle tête là-bas? C'est naturel. C'est parce que cette papillon t'a couillé bien. Est-ce que l'accouillement de celle-là, sa pipe, la tipe est tenue? C'est parce que t'as pipé bien quand tu as réfléchi. Tu vas avoir plein de gommes, mais il y a la différence. L'amour là, c'est la différence. Elle là, c'est la différence. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes pardon. Nous, on t'accepte. On t'accepte, hein. Mais ce n'est pas pour embrouiller les gens. Tu es là-bas, tu es au fond là-bas, tu es loin là-bas. Son cuit là-bas mangeait du riz. Elle a mangé foutu. C'est cuit là-bas, c'est pile, ça veille. Tu ne viens pas, les vont la couiller ici. Il faut arrêter dès maintenant. Tu lui dis, je ne veux plus. Pile là. Que tu as pu, tu fais malin là. Pour toi, il y a cadenas là. Pour elle, il y a l'ouverture. Ici, c'est ouvert. Qui va avoir lumière comme ça, qui va la dépasser? Elle se réservait parce qu'elle se dit qu'elle est fiancée. Si on la drague matin, midi, soir, elle dit non. Vous n'êtes pas que demain, tu viens tomber sur elle. Parce que si elle n'a pas dit la vérité au monsieur, tu vas venir tomber sur elle comme ça, tu vas la croiser. Pour ne pas te frisser, sinon tu n'es pas le plus bon du monde. Ou bien Pina, c'est toi seul qui a fabriqué ça. C'est verset, waouh. Il y en a des crochets, il y en a des parasols, il y en a des demi-couriers, il y en a des coups coupés. Mais tout ça, elle a dit, je ne peux pas faire ça, moi, papillon. Je rentre dans la vie des artistes. Je ne veux pas, la musique que je fais, je ne veux pas que demain me salir. Je préfère rester tranquille, me marier, avoir aussi mes enfants comme les autres. Mais tu vas la perdre le temps, tu es là, c'est toi qui parles ici, elle fait ça. Une femme qui soit avec un homme, elle n'a même pas le droit de parler de ça.
Tu ne vas jamais attendre une femme qui va te dire, elle ne peut pas mettre ça sur les choses, les portables, elle ne peut pas mettre ça dessus. C'est pour donner exemple, pour dire à ses camarades, ne sortez pas un mari des gens, parce que c'est des menteurs. Et puis c'est vrai. C'est vrai. Je parle de toujours M. Do. Do, il a la GESCO. Il a deux vieilles femmes Caracas, c'est même pas les jeunes filles, mais il est mort, les vieilles femmes là. Sa première femme, c'est Cyprienne. Il a passé tout son temps à Cyprienne. Hein. Cyprienne, il va te marier demain. Nous tous, on cherche une femme. Une femme, on l'aime jusqu'à ça, c'est périmé. Il ne se fait jamais coco. Cyprienne, il va te marier samedi qui arrive. On s'en va payer. Cyprienne, maintenant, elle est habituée. Maintenant, il est avec Odile. Odile aussi, ça fait 15 ans. Tellement que si, ils sont dans le même quartier. Hein. Quand Do, ils traversent là-bas. Les camions de Jesco, ça ou bien connu. S'ils avaient cassé les tescus de Don un jour là. Parce que souvent, ils blaguent sa femme que je m'avais sur la route de Dabou. Déjà, il est chez Odile. Arrêtez de les balancer. Tu maries Cyprienne et puis c'est bon. Parce que quand tu mets le cœur d'une femme, tu la blagues là. Quand la femme aime là, c'est pas bon, mes enfants. Quand tu blagues, aujourd'hui, elle est 32 ans. Alors que moi, ma première fille a 46 ans. 32 ans. Elle est encore très jeune. Elle a même âge que mon quatrième enfant. Mon cinquième même, Boris. Elle a même âge que ses enfants-là. Donc, elle a encore de l'avenir, elle est encore fraîche. Elle vient de te parler le français, elle est fraîche. Elle n'a pas de poisson fumé, hein, frais là. C'est qu'on vient de pêcher dans la lagune, là. Poisson frais là. Elle est très frais comme ça. Ça veut dire avec elle, tu n'as pas besoin d'allumer le climatiseur. Tout est glacé en elle. Toi, tu as mis ça dans le chalet jusqu'à ça va transmuer. C'est toi qui l'as mis au monde. Il faut décider. Hein. Ton américain, tu es là-bas, puis tu fais tes malins, tu crois que tu as évolué là. Un matin, ma fille aussi sera en Amérique. Amérique, c'est l'homme qui est là-bas. Un matin, la manière où tu es passé pour partir, là. Mais il ne faut pas la fatiguer. Il faut lui dire la vérité en même temps dès le début. Peut-être là-bas, tu as fait un mariage, nous, on n'est pas au courant. Hein? Parce que pour toi, ça ne passe pas sur les réseaux sociaux, là. On n'est pas au courant. Pour elle, petit qu'elle a fait, pour la traiter, qu'elle est ceci, cela, tant de choses. Les touras sont bien éduqués, c'est des douras, ils sont bien éduqués. Femme touras, c'est rare que tu vas voir touras se prostituer. Non, moi, j'ai connu chez les touras. Je suis allé à Boné, à Guyane, à Kwe. J'ai connu le pays des touras. Le tourant même à l'époque, il ne peut même pas causer à sa maman. Quoi. Eux, ils s'abaissent pour te donner à manger. Si tu vois que le tourant est fâché aujourd'hui, là, c'est qu'elle ne croyait pas que tu pouvais faire ça. Mais moi, je vais te dire que ton yukmiya là, est fini. Tu n'as pas de pouvoir, tu as attaché enfant de quelqu'un. Quand ses parents l'ont couché, tu l'as vu. C'est l'amour, c'est toi qui es venu vers elle, tu n'as pas allé vers toi. Allez, papillon, vas-y. Ça veut dire que c'est quelle manière y a ça? Non, en ce moment, c'est à ce stade-là que je suis. Hein. En ce moment, ben, écoute, je me retrouve seule. Voilà, je suis. Tu as trouvé, tu te retrouves. Moi, je te donne garant, hein. Je te dis quelque chose. Dans ces temps-ci-là, cette année-là, il faut décider. Je ne la vends pas, hein. C'est pas une prostituée. Il faut décider. On peut même faire fiançailles, marier les gars, mais puis demain, on divorce. Il n'y a pas palabre dedans. Ah, excuse-moi. Vraiment, c'est toi. Mais garde à toi, il ne faut pas avoir à se chercher. Et puis, parce que vous, les Togolais, vous êtes prêts à tout. Pas même maladie sur elle. Parce qu'elle ne veut plus de toi. Vous êtes capable à tout. Vous êtes capable à tout. Parce que tu vas voir que quand elle ne va plus t'écouter là, on vous connaît, mais tu n'as pas de pouvoir. Fais à toi, maudiamane. Fais. Tu ne peux rien faire. Et là, tu la perds le temps, tu es au loin là-bas, tu la mains ici, tu es au loin. Tu n'en vois rien, tu ne fais rien. Tu ne permets pas une maison. À son âge, encore loue maison. Elle est chez des gens. Et c'est toi qui fais priver des pines. C'est versé aussi ici. Ici, il y en a plein. Dans la salle même, il y en a plein ici. Il y a des clairs, il y a des noirs, il y a trois piles même qui sont là, et six t'excuses. C'est pas toi qui vas nous effrayer du n'importe quoi. Une petite fille de 32 ans comme ça, tu vas chauffer son cœur. Au moins si elle est vieille, mais il y a trois piles ici, ils ont six t'excuses. Deux t'excuses par personne, ça fait six. Plus trois piles, ça fait six, sept, huit, neuf. Ça fait neuf mangements qui sont là. Donc, il faut te dire que dans ce monde-là, moi je supporte les hommes. Je suis l'avocate. Mais quand elle réalité, moi je dis, je les supporte. Pour ne pas que mes enfants les quittent. Je veux qu'ils restent tranquilles. Sinon, je ne les défends pas parce qu'ils ont raison. Mais je fais ça tant qu'une mère. Moi, j'ai jusqu'à 7. 5 garçons, 2 filles. Mm-hmm. Quand mes enfants sont imparables, je dis, monsieur, papa, papa. C'est parce qu'ils ne peuvent pas élever mes enfants. Tu les as vus, non? C'est pas, ils sont propres que tu t'es approché. Mais le respect d'une personne, c'est pour. Et la vérité. Dis la vérité à ton prochain. Ah, vraiment, excuse-moi. C'est entre nous, puis c'est fini, on ne sait pas. J'appelle mes choqueurs la journée, puis le soir, ça passe. Mais tu ne me dis rien. Et puis tu es là, il est là tout le temps, c'est lui qui regarde tes films. Tu ne veux pas qu'elle évolue, mais elle va devenir mieux que ça. Elle va aller derrière toi. Dans ton quartier où tu appelles Amérique, là, tout le monde s'en va là-bas. Si les caniches quittent pour venir ici, là, c'est pas nous aussi, on ne peut pas aller. Chien même, il prend avion, il a un passeport. C'est pas nous, on ne peut pas venir. Donc il faut apprendre à respecter. Parce que vous, là, ce n'est pas clair. Pour maintenant, tu lui demandes pardon. Il ne faut pas accepter d'abord, il faut attendre. S'il est vraiment sûr,
faut lui dire, faut m'envoyer pied. Je vais te rejoindre là-bas. Là, notre pardon, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas faire semblant. Là-bas, il va rester dans. Et puis, tu vas garder ton compte là jusqu'à encore. Ça va faire 10 ans. C'est frais. Les gens ont besoin de ça. Ça, c'est le compte frais chini. Ce n'est pas le compte fumé. Ouais, vas-y. Non, c'était un peu ça mon histoire. D'accord. Donc, vous êtes. Vous chantez quoi? Je chante. Je fais de la variété urbaine. Mais vous, toi maintenant, tu n'es plus que blanc, tu n'es pas allé là-bas, mais tu parles comme... Non, il faut faire un petit acapella hier, quoi. Mais oui, mais chez moi ici, c'est en direct, il faut faire un petit acapella, je vais voir. Parce que ça aussi, là, les gens, ils vont faire ta publicité ici. Parce que là, c'est une promo, hein, c'est une grande promo pour la télévision. Yigbon pepe la non kwa e bilo moye Ne wanda wo do wikanoue Agalade monza sans indokaye. Ce soir, il y a des belles voix qui sont entrées ici. Hein? Agalade monza sans indokaye. Ouh. Ah. Netobe. Kimera tolabe. Yelo nerenera. Netobe la vailonke. En tout cas. De tobe to salomo, de tobe la vailonke. Ah, bravo. Merci. Ça, ça veut dire que si ma mère était là, toutes ces souffrances, je n'allais pas avoir. Exactement. Si mon père vivait encore, je n'allais pas souffrir comme ça. C'est ça. Mais tout ça là, le père et ma mère sont partis, mais il y a toujours des gens pour s'occuper de toi. Mm. Et je sais que tu as tapé à la bonne porte avec Ivoire TV Musique. Il faut te dire que ma fille, c'est chez toi à n'importe quelle heure. Ici, même, il y a des gens qui sont prêts à vous produire, qui va vous aider encore parce que Dieu ne peut pas descendre, il passera toujours par une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Ivoire TV, c'est Mouna Ezoumana Bakayoko, qui est le directeur de cette salle. Il a dit que, à ma jeunesse, je suis jeune, je dois aussi aider les jeunes. Donc, je vous dis vraiment merci. Et merci, merci, merci à Lydie, qui m'aide beaucoup dans mon maquis, qui fait tout pour moi. Donc, venez au maquis, prends-moi par derrière, je suis la seule lourde de tout le plus. On dit la seule autre, tu es vieille, mais il faut tenter. À un moment, dégagement, je te pipe, puis mettre piment dans tes yeux. Alors, je demande à tout le monde de. Voilà, de j'ai un nouveau challenge. Le challenge de mon second son qui est disponible sur mon compte TikTok NG Papillon, ANGY Papillon 1. Et je demande à tout le monde de faire le challenge pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de force. Merci beaucoup. Tu vas avoir, tu sais, tu es un confrère. Tu vas avoir force là-dedans. Merci. Merci beaucoup. Oui. Comme là, chaque vendredi, à partir de 22h, on est toujours à l'émission Gourmet Sucré. Et vous allez voir les grands artistes, les gens qui ont le gourmet, ne vous gênent pas. Venez avec la seule langue, je reçois tout le monde. On va se partager des idées. C'est bon, mais vous laissez s'asseoir pour dire, moi j'ai honte. Mais ça va te ronger, c'est pas bien. Viens, tu en parles. Ceux qui ont honte, ils peuvent m'appeler, puis je vais à domicile, donner des conseils. Parce que tu t'es parti, tu ne reviens pas. Quand ça va, il n'y a pas un jour, on dit, celui-là est parti hier, il était mort, il est revenu. Ta propre maman, mais si elle-même, là, tu t'avances, tu la vois, tu as fui. Parce que tu as dit, c'est elle qui est, elle est morte, non. Donc, la mort, Dieu a décidé, ça, tu es parti, c'est pour du bon. On demande aussi aux gens, ouais, c'est chez Dieu là-bas, chez Dieu là-bas, on te reçoit pas là-bas. Tout se passe ici. Chez Dieu, il n'y a pas maquis, il n'y a pas bar, il n'y a pas hôtel où on va aller couiller les gens. Tout, il a mis tout ici pour nous mettre à l'aise. Donc, bonsoir à tous ceux qui écoutent la seule.